Oui, des rêves XXL. Alors ça fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver. Ceux qui étaient à Montpellier se rappellent de notre rêve, puisqu'on a beaucoup pleuré. J'ai dû mettre du mascara d'ailleurs sur Philippe. Mon fils Jonathan, qui nous avait fait un petit plaisir musical. Et c'est ça nos rêves. Nos rêves, c'est permettre à nos enfants, parce que c'est une évidence, de réaliser leurs rêves, de les amener en fait là où ils veulent. C'est-à-dire que nos enfants, ils ont une passion, la musique pour l'un, avoir son affaire pour l'autre. Et ben, notre métier, c'est de les accompagner aussi là-dessus. Alors, Forever to Drive niveau 2, c'est quoi? C'est quoi pour nous? Ben, le Forever to Drive, déjà, imaginez, 400 euros par mois déjà. Alors, on a fait les petits calculs, enfin, c'est surtout Christian qui a fait les calculs. Niveau 1, c'est 4 800 euros sur une année et ça fait 14 400 euros sur 3 ans. D'accord? Le niveau 2, 600 euros, ça fait 7 200 euros sur l'année, 21 800 euros sur 3 ans. Et le niveau 3, notre prochain projet, c'est 9 600 euros sur l'année et 28 800. Donc en fait, pour nous, c'est vrai que c'est le plus beau challenge qui va nous ouvrir les portes du Chairman Bonus. En fait, ça nous apprend la construction, la pérennité d'une affaire et l'évolution. Alors j'ai mis 7 ans, 7 ans, écoutez bien ça. Ça fait 12 ans qu'on est dans l'activité, 2007, niveau 1, première fois, et le niveau 2, je ne l'ai que cette année. Ben, ça veut dire qu'on a persévéré, qu'on est toujours là. Vous êtes d'accord? Donc voilà, c'est ça pour nous. C'est une affaire solide. Et surtout, montrer aussi aux distributeurs, aux managers, mais que c'est quelque chose qui va les amener vers les challenges ultimes de Forever. On a tous des phases en plateau. Ce matin, John nous en a parlé. John nous a montré justement ces phases de stop, ces phases de plateau où on stagne tous. Vous y passerez, on y est passé, et on recommencera encore à y passer, certainement. Mais 7 ans après, on a tous les challenges Forever cette année, et je crois que c'est parce qu'on y croit vraiment qu'on a pris des décisions. Et on vous souhaite à tous vraiment croire en votre affaire et croire surtout en vous. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.